Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Destiny 2. Et oui, ça fait des mois pendant lesquels on a été inactifs, on est devenus parents, il y a eu plein de choses dans nos vies, on a été également lassé du jeu comme beaucoup de gens, mais c'est pas pour ça qu'on regarde pas les informations concernant Destiny 2, toutes les nouveautés qui arrivent. D'ailleurs, les saisons de l'opulence, on l'attendait fortement. Enfin, pour ma part, c'était vraiment la saison que j'attendais le plus et je me suis remis au jeu depuis quelques jours. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler des premières informations concernant la suite de Destiny 2, donc pour l'année 3 de Destiny 2. Et je suis vraiment très curieux puisque ça va tout simplement être la première année sans Activision. En gros, le divorce avec Bungie et Activision a été officialisé en début d'année. Mais voilà, le pass annuel de cette année a été complètement fait entre Bungie et Activision. Mais à partir de l'année 3, Bungie est 100% seul. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir à partir, on va dire, de septembre sera du 100% Bungie. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent faire seul sans Activision. Aujourd'hui, je vous présente tout simplement les premières informations. Donc, on a le nom de la prochaine extension qui a fuité. C'est des informations qui sont sûres puisqu'elles ont été trouvées dans les fichiers du jeu, donc de Destiny 2, suite à la dernière mise à jour d'aujourd'hui, donc la mise à jour 1.36. Ça a été trouvé directement dans les fichiers du jeu. Vous allez voir, franchement, c'est gros. Je pense que Bungie savait tout simplement que les joueurs allaient tomber dessus et que ça allait faire un petit peu de bruit. Donc, les joueurs ont pu trouver ce screen Destiny 2 Shadowkeep. Donc, voilà, ça sera le nom de la prochaine extension, certainement, qui sera disponible en septembre. Donc, Shadowkeep en anglais, qui veut dire gardien de l'ombre en français. Et on nous dit que le prochain chapitre de Destiny arrivera cet automne, qu'on va devoir tout simplement affronter des ombres terrifiantes qui vont descendre d'une lune oubliée, qu'on va devoir retourner sur la surface de la lune, qu'on va devoir voyager à travers une mystérieuse citadelle ennemie. Donc vous la voyez sur la gauche d'ailleurs, elle est sublime. Franchement, la citadelle rouge sur la gauche, moi ça me hype, ça me donne vraiment envie, j'ai hâte d'en savoir plus. Et ensuite, on nous dit de devenir un chasseur de cauchemars en gros tout simplement, et que ça sera très prochainement d'ailleurs disponible pour une précommande. Alors voilà, ça c'est vraiment les premières informations qu'on a pu avoir sur la saison 3 de Destiny 2. Il faut savoir également donc qu'il y aura un stream jeudi soir à 19h, je pense qu'on aura un petit peu plus d'informations et que voilà, ça va être vraiment officialisé de la part de Bungie. Donc jeudi soir à 19h, ne vous inquiétez pas, voilà, on a décidé de reprendre un petit peu les vidéos, on a un petit peu plus de temps en ce moment, on a réussi voilà à un peu s'organiser de notre côté. Du coup, je vous promets que jeudi soir ou vendredi matin au plus tard, il y aura un résumé complet du stream de Bungie de jeudi soir. Et également, il faut savoir que Bungie sera présent à l'E3, donc il est fort possible qu'à l'E3, on puisse voir un petit trailer, voilà, une petite mise en bouche concernant cette extension. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors, bien évidemment, il n'y a pas énormément d'informations. On sait ici que, voilà, on va devoir chasser, en gros, des ombres. On va devoir retourner sur la lune. D'ailleurs, franchement, c'est cool. Alors, moi, je préfère hein, vraiment avoir du neuf dans un jeu, voilà, dans un nouveau jeu, je préfère avoir du neuf. Mais voilà, la lune, c'est quand même mythique de Destiny 1 et je pense que ça va être vraiment cool d'y retourner sur Destiny 2, surtout que, bien évidemment, elle sera différente de ce qu'on a connu sur Destiny 1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos sur Destiny 2. Mon Dieu, que ça fait du bien de reprendre ces vidéos. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss !